États-Unis décidé pour le bail Ariel Henry à toute gang bad illégal pareil yo yon petit tap. Étape ça m'pa caché dit nous, li gagne gros répercussions parce que là, li commencé touyer rêve Ariel, li commencé touyer rêve acolyte Ariel qui dans gouvernement qui a plein poche sous d'autres petit peuple là. Et pour population haïtienne non, répercussions eux-mêmes sont gros dumgal, sont gros coup de près nous prend par rapport avec Jean situation pralé là. C'est sûr que ou ta remé konn ki sa bagay lan ye. Et bien déjà m'abdou ou pral fè saisissement tout marché a ti gode de l'autre côté ou parce que gen bagay pou konnen, gen bagay ki pral étonné ou. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles pa bon côté pal. Matin, c'est sénateur, il est endiablé. Je ne sais pas qui l'a monté dans tête sénateur. Eh bien, matin, là, malgré un pile de monde, fait qu'on est que Moïse Jean-Charles a supporté le pouvoir de l'Orient. Et surtout, après ça qui est passé dans la ville Cap-Haïtien, 18 mai passé, un pile de doute, il y a des gens qui ont un pile de doute sur Moïse Jean-Charles. Eh bien, matin, Moïse Jean-Charles, non seulement il a lavé, bien lavé, Occident, mais c'est ça oublié le pas dit Ariel Henry. Bah ça ou même me saisi m'étonné m'pantant. M'pral gagner pour partager tout détail si là avec vous puisque faut qu'on t'endel à des oreilles. Finalement, après un pile critique, après un pile exhortation, eh bien, yon parti dans secteur privé a finalement décidé sortir dans silencio. Réagit sous question insécurité qui a ravagé pays côté en pile moun a couru quitter kayo par rapport avec action gang action bandi. Mais on pral saisi tande position que yo prend. Mais ça qui plus grave là, ça qui plus grave là pral gen pou bwè de l'eau toujours, c'est que gen yon nan moun qui fait partie de conseil d'administration Amcham qui sorti note là secteur privé, eh bien, lisez même pour voir Ariel Henry. Mes nouvelles là. Restez là ou pour rejoindre tout le détail. Bricouri, nouvelle gaye, gen l'autre transition qui pral arriver là et la bout jusqu'en 2025. Il y a pile inquiétude par bon côté population, mais en pile même dans diaspora pose cette question qui ça nèg yo vle faire payer. Au pays pas qu'à fonctionner, c'est transition sous transition seulement. Eh bien, officiellement, je dis en là, il y a une délégation CARICOM qui rencontre avec famille Lavalas, qui rencontre avec représentant même parti politique aidé, qui rencontre avec représentant Comontana, Fritz Alphonse Jean, et qui rencontre avec Force Ouverturienne, et qui a gagné pour rencontrer avec représentant collectif 30 janvier. Nous pral gagner pour nous partager toutes les informations et tous les détails avec vous dans bon petit marmite. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? M'espérez nous en forme, m'espérez nous parer, nous bien préparer nous là pour l'émission jeudi. Hein, puisque nous gagnons pile d'informations pour nous partager avec vous des faits saillants qui a dominé l'actualité. Hein, et c'est des bagailles que vous méritez qu'on ait. Mais bien avant nous rentrer dans l'émission pour jeudi, hein, faut que moi dire moi porter une grosse surprise pour mon gros coquin chaîne surprise pour nous mes amis. Si on a regardé la photo là, on a regardé photo là, nous voyons deux belles mounes. Depuis là on a regardé mon yo senti bon l'amour, on prend bon la joie, bon cœur content. Eh bien, c'est pasteur Misel avec pasteur Marie-Denise Josias. Deux mounes ça yo Marie Ceinture, on va le connaître deux mounes ça yo jodi an la, yo a fêté 37e anniversaire de mariage. 37 ans mariage. 37 ans de vie commune. 37 ans côté que on seul mari, on seul madame. Aïe aïe aïe, c'est pas facile. Parce que j'en ouais monde là qu'on y a là, pas facile mariage et c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Moun yo plus divorcé que yo rete marié. Et le n'ap gade moun zan yo nou wè gen un sentiment d'amour et gen bonheur, gen cœur content, etc. Malgré depuis c'est moun amour ka toujours gen fâché, tombé levé, etc. Mais 37 ans mariage, c'est pas 37 mois, c'est pas 37 jours, c'est un pile temps ensemble. Et dans notre équipe là, n'ap souhaité
et pasteur Mizel avec et pasteur et Josias, Marie-Denis Josias, et pour nous, ouais, on gagne plus années mariage toujours. Pour bon Dieu, mettez plus temps de vie commune dans mes temps, yo, pour gagner plus l'amour, plus respect, plus et volonté pour rester ensemble, pour partager plus bagages ensemble. Donc, continuez dans la même ligne, non? Kembe dans la prière pour bon Dieu, bah nous plus temps de vie commune ensemble. Et moi-même, t'as personnellement, hein, pour nous partager ce secret avec moi, secret 37 ans, parce que t'as aimé jouer une bénédiction, ça tout. Parce que m'a caché du nom, et mon cher, il n'est pas facile à gérer. Hein? Donc, partager ce secret de vie commune noire avec moi, et je pense que ça a aidé en pile, et moi-même en retour, je vais partager avec quelques autres monde. Donc, mes amis, mettez encouragement pour moi, souhaitez-vous, partager avec eux des souhaits là, en bas live là, je pense que ça fait en pile plaisir. Et n'a pas rentré dans l'information, yo. Nous portons en pile information pour nous jeudi en là. Nous obligés rentrer dans l'information, yo, rapide vite. Et je m'étais annoncé, et dans le commencement émission, hein, eh bien, gagner secteur privé, hein, après en pile et critique, côté que yo pas jamais parlé, yo pas jamais pris position sur ça qui a passé en dedans pays, hein. Yo pas jamais réagi sur insécurité, hein, sur question gang, sur question bandit, hein. Eh bien, finalement, là, et gagner, yon note de presse qui sorti, qui en partie, c'est pas tout, qui en partie et dans secteur privé à là qui publié yon note pour la presse côté que yon prend acte de insécurité, hein, de question gang, de question bandit qui a ravagé société. J'en ai regardé là avec moi et sous écran nous, c'est Amcham Haïti qui publie notre ça. Amcham Haïti, c'est chambre commerce américaine en Haïti qui regroupe divers gros businessmen en pile entreprise en Haïti. Nous pral gagner pour un bon détail sur ça parce que gen youn nan moun yo qui c'est membre gouvernement Ariel Henry en moment là. Qui ça notre lundi? Amcham Haïti note pour la presse, on va regarder là avec on appli là avec tout. Chambre commerce américaine en Haïti, Amcham Haïti observe dans la peine à désolation. Détérioration rapide situation dans le département la Tibonite et le département centre. Côté mouvement insécurité a grandi et puis brisam automatique a fait choral dans oreilles yon population qui déjà vive mal. Nous condamnons à toute force zak violence sa yo que population a contre chaque jour depuis plusieurs années et puis qui vin pire pendant semaine sa yo. Attaque contre civil, attaque kidnapping, massacre qui fait dans Canaran sous fidèle l'église piscine Bethesda pendant marche pasteur Marco t'a dirigé 26 août là. Destruction installation compagnie tropique ça ensemble à compagnie sous noto dans tabac. Pour nous citer ça seulement. C'est une série zak que nous pas ka tolérer. Divers attaques gang ça vient faire dans la Tibonite. Attaque sans campé criminel grand ravine fait sous moun kafou feuille qui force moun zone sa yo quitter la kayo sa yo tout nous pas ka accepter compatriotes nous yo ak pile l'autre moun qui a vive zak violence sa yo pendant trop longtemps lagué pour kontyo et yo mérité si po en face la mise k'ap déchirer citoyen pareil nous yo nous mande gouvernement pour prendre responsabilité. Peuple haïtien bouquet à toute l'année souffrance sa yo. Yo mérité yon pi bon avenir. Lè arrivé pour dirigeant nou yo comprendre que c'est responsabilité l'état pour protéger citoyen li yo. Et puis pour yo montrer bon gens leadership pour camper en face vent insécurité qui envahit toute population. Nous demandons aux autorités pour appliquer toutes dispositions qui sont nécessaires pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Yon façon pour éviter gros tragédie humanitaire qui a dessiné devant nous. Pétionville, 5 septembre 2023, Conseil d'administration. Donc, son note qui publié, qui sortit hier mardi. Et 5 septembre 2023. Ça, vous le comprenez? Nous avons demandé au secteur privé pour prendre position, pour
et positionner par rapport avec insécurité, vague violence qui gagne, gang qui terrorise la population, en pile entreprise. Il y a des séries de gros businessmen, il y a des séries de gros nègres nous considérons comme oligarques dans le pays. Business, entreprise, c'est dans le quartier chaud, c'est dans le groupe gang, dans le bandit. Chaque jour, il descend dans l'activité. Chaque jour, il descend dans la occupation. Business a fonctionné, produit a sorti dans la compagnie, al vendre sous marché. Malgré que il n'y a pas pauvre, gang n'a pas pauvre population, pas gagné l'argent, oui, mais le produit continue à sortir. Donc, le business a marché. Nous avons dit qu'il faut parler, qu'il faut dire un bagage, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre ce qui a passé. Et bien, finalement, l'homme mette notre pour la presse à lui. Bon, il y a qui a attiré l'attention. Signature au conseil d'administration. Moi-même, mal cherché information, puisque si n'a pas ton information, bah, ou faut information en cas complet. On a nous fait un coup de pied pour aller chercher qui est-ce qui fait partie de Amcham, qui est-ce qui fait partie du conseil d'administration Amcham. Eh bien, dans le conseil d'administration Amcham, il y a plusieurs membres. Il y a Jean-Philippe Boisson comme président, qui se groupe comme il faut. Il y a premier vice-président Brian Gonzalez, qui se Digicel, qui se groupe Digicel. Il y a deuxième vice-président Manuel Dehush et Desquiron, qui représentait on l'autre compagnie qui relait Euroceram plus gagne trésorier qui c'est Deborah Stock pour Citibank gagne et secrétaire qui c'est Rudolph Gonzalez pour Marimex une entreprise en Haïti et puis gagne Mob Michael Lemko et Enmaka bon bref et puis gagne un autre membre qui c'est Laurent Saint-Cyr Alternative Insurance Compagnie. L'homme tombé sous non ça, Laurent Saint-Cyr, me dit oh, mais ça Laurent Saint-Cyr vient faire là. On y a nous monté dans relation ACT, dans composition ACT. Même Laurent Saint-Cyr ça, c'est lui-même qui composait ACT. Et pour rappel, le ACT est monté qui c'est au conseil de transition. Secteur politique là, tu voyais un membre, secteur protestant tu voyais un membre et secteur privé des affaires tu voyais un membre. Eh bien, drôle de coïncidence, Amcham sorti yon note pour la presse pour yon constater l'insécurité, hein? Pour yon constater et jan gang ap mette moun de yon la kayo, jan bandi ap touye moun, ka kidnapping nan ki augmente, et capacité et pouvoir l'État, manque de leadership, autorité nan l'État yo, Amcham sorti yon note. Mais, nan note sa ke yon sorti yon, ah, la bra l'une autre chose compliquée parce que c'est comme si gagné au conflit d'intérêts. Secteur privé a pris note de insécurité. Laurent Saint-Cyr comme membre conseil d'administration et comment on te dit ça, li ba aval li avalise ça fait là, li campé derrière ça fait là la nan Amcham. Alors que dans le conseil de transition, malgré qu'il y ait un forum qui était fait sur sécurité, malgré qu'il y ait des propositions qui fait, juste dans le moment où on a parlé à la, au conseil de transition, Madame Aniga, Laurent Saint-Cyr, Calix Fleuridor, ils n'ont pas jamais réglé rien de concret pour aider à résoudre le problème de sécurité en véritablement. Ils n'ont pas jamais réglé rien de concret pour aider à résoudre ça qui est là en dedans le pays. Et lui-même encore, pendant que ACT, c'est une structure que Ariel Henry crée, c'est pouvoir Ariel Henry qui mette yo. Moi, je me considère comme des alliés du pouvoir en place. Quand y a lui-même encore dans l'autre bord, dans l'autre secteur, dans l'autre bout, on a constaté des gars, on a constaté des rives. Quand y a, est-ce que Laurent Saint-Cyr c'est pas dans tête là passé moi? Oui, il faut que vous constatez, mais il est évident que Laurent Saint-Cyr soit lié dans ACT ou bien lié dans le secteur privé. Parce que ou pas ka pendant nos secteurs avec un groupe moun qui là pour porter solution avec un problème qui là pour chercher des alternatives avec des pistes de solution pour résoudre un problème et puis qu'on y a non l'autre bord ou pas pour solution et puis non l'autre bord constater problème non ou non bon côté que nous supposé porter solution avec ça gain là comme insécurité ça gain là comme crise politique pour nous retourner dans l'ordre constitutionnel pour gain des élus en dedans pays en tête pouvoir l'État. Nous échouons, nous pas qu'à faire.
en tant que membre secteur ou pas arrivé à bout ou pas caractéri et puis on l'autre bord comme membre secteur privé ou a constater des gars ou a dit c'est responsabilité l'état pour prendre décision etc. Mais quand tu étais là je ça te décaissé plus de 8 millions de gouttes qui t'étaient décaissé pour bail à CTA mes amis faut que nous honnête avec tête nous. Faut que nous honnête avec tête nous pour nous dire bon à un certain moment de la durée nous pas passer population dans tête encore nous suspendre passer matière dans vie peuple parce que tout le monde comprend m'te ka admettre si moun yo pas sur réseau si moun yo pas gagne moun k'ap bay de bonnes informations crédibles si pas gagne moun k'ap chercher information t'es ka vini ni vu ni connu on y présenter tête tout là comme on tissé et puis tout moun bon maintenant là y a pas comme ça. Vont virer le changer dans mes yo. Ça faut que connait. Donc on te tient que me te partager et ti information ça avec vous parce que l'op gagne pour et pour l'autre monde vient parler de making notre secteur privé à mettre dehors ou bien cham mettre dehors en groupe dans secteur privé pour au moins pour connait que gen nèg là dans yo cap bon coup dans do gen moun parmi et moun sa yo nan cham nan comprendre qui n'a pouvoir qui pas assumer responsabilité mais qu'on y a cap constater j'en a mouri j'en petit pour mouri j'ai violé ti jeune ti moun yo donc ça il était important et l'autre information qui est extrêmement important encore pour nous partager eh bien ligue pour avec délégation CARICOM nan. Depuis 4 septembre CARICOM entré en Haïti là monsieur Damio a fait causer hier yo rencontré avec premier ministre et de facto Ariel Henry. Nous voyons comment photo Ariel fier pour la fête photo puis a publié etc pour yo oui c'est normal bon nous va pas dire autrement. Eh bien hier t'as supposé qu'il y a une rencontre qui fait avec groupe opposition signataire déclaration conjointe Kingston là qui gagne là dans lui la valance qui gagne là dans lui et qui gagne là dans lui et force l'ouverture à Port Montana en pile monde. Eh bien hier monsieur Damien a décidé de bouder et de parler hier. Il a dit reporter pour yo pour ce jour-là. Pour jodi en là. Eh bien, jodi en là, rencontre faite avec délégation CARICOM. Mais faut que moi dis nous, il y a un bagage qui a attiré attention encore. Jodi en là, moun qui gagne pour rencontrer avec délégation CARICOM, c'est signataire déclaration et conjointe Kingston là. Côté que gon groupe acteur yo té allé Jamaïque yon deuxième fois côté que CARICOM té prend initiative pour faire un dialogue interhaïtien un dialogue sincère franc etc. Yo a utilisé des adjectifs alors que moun yo connaît nan fonkèr yo pas sincère vrai yo connaît nan fonkèr yo c'est poche yo vinn pour yo aller yo a parlé de dialogue sincère interhaïtien tout moun gen objectif pa yo pour yo mettre moun pa yo nan pouvoir pour yo gérer poche. Bon, ça nous connaît déjà. M'pa vinn révéler nous, m'pa que nous pas connaît. Mais ça doit connaît aujourd'hui hein. Eh bien, nan rencontre qui fait avec CARICOM côté que gagne diverses structures politiques, Lavalas et Claude Joseph, gagne Force Ouverture et Paul Ménard, gagne Accord Mon. La police nationale prend gros disposition pour mettre sécurité dans le pays. Dans une coquine chaîne mariage, population avec la police fait. Ils ont lancé opération Bois Calé Wash Maman. Gaillé Kaka Bandi. Oh,
manger pour nous foutre marcher prend yo. Si mes manchettes manchettes sous yo. L'itelle l'itelle temps pour révolution la guerre. Gardons moi calé wash maman. Alphonse Jean, Magali Komodo, nous gagné collectif 30 janvier. C'est là bagaille envie notre gens paraît un peu bizarre. Collectif 30 janvier, représentant collectif 30 janvier qui est sur. Collectif 30 janvier, il gagné plusieurs structures politiques là-dedans. En dans collectif 30 janvier, nous gagné PHTK. Posez des questions qui ça PHTK vient fait là comme opposant avec Ariel Henry. Alors que nous connaissons gagné en pile disposition qui apprend le ministère là que PHTK a contrôlé etc. Qui ça bagaille là véritablement. Ou bien est-ce que là n'a parlé de PHTK, nous pas parlé de Michel Martelly, ancien président Michel Martelly. Est-ce que c'est deux bagailles différents yoyé? PHTK son structure politique, Michel Martelly bandi légal a fait affaire dans Bopal, li pas inclus dans PHTK. Eh bien nous connaissons Liné Baltazar qui c'est un nom moun nan moment n'a parlé à la juge d'instruction qui sous dossier assassinat président Jovenel Moïse Walter Osevolder DCPJ fait recommandation pour la grand mandat d'amené derrière Liné Baltazar. Eh bien Liné Baltazar qui représentait PHTK, eh bien jodi an la l'a gagné pour le rencontrer avec délégation CARICOM nan. Ça c'est un. Nous gagne OPL qui fait partie de collectif 30 janvier. Nous gagnons Unir Haïti, Clarence Renoir, qui fait partie du collectif 30 janvier. Nous gagnons Gré avec l'ancien colonel Lumière Rebu, qui fait partie du collectif 30 janvier. Nous gagnons La Paix, nous gagnons Mopod, ancien allié SDP qui a crasé béton sous Jovenel Moïse, il fait partie du collectif 30 janvier. Et nous allons gagner Petite Dessalines, qui fait partie du collectif 30 janvier. Quand on a garanti, je parais flou. C'est que matin, son j'aime dit nous matin, m'attendé ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui en diable. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, Petite Dessalines, parti politique Petite Dessalines, yo gen idée toute fait sur de ça nous relé délégation CARICOM là. Déjà pour yo, ça CARICOM vinn faire là, c'est comme si son on va en perdre de temps. Ce n'est pas CARICOM, CARICOM vient régler, mais il va régler les bagailles politiques, les bagailles pays vraiment. Parce que pour moi, Jean-Charles, acteur, on dirait pas à la hauteur. Il n'y a pas de dimension haïtienne, il n'y a pas de dimension patriotique pour faire intérêt pays en passé avant. Moi, Jean-Charles, il est maintenant tête li. Et est-ce que ma baye Moïse Jean-Charles et bénéfice du doute là côté que il pas dans le pouvoir, il en rien. Bon. Ça sont l'autre débat n'a pas pour faire sur lui. Mais moi Jean-Charles li campé, li fait qu'on est que délégation CARICOM n'a pas venir régler rien de politique. Li pas venir résoudre problème politique là et CARICOM on dirait bien, li pas ca résoudre problème politique qui vient là en Haïti. Côté bagaille la vie paraît un peu flou. C'est que Ariel Henry lui-même hier nous t'ai parlé sur ça, n'a faut pas passer tout bref sur ça. Ariel Henry li gagné agenda politique parle. Chaque structure sont cité dans le baou là qui constitue opposition en face à Ariel Henry, yo gen agenda politique par yo. Et m'a dit nous ça très honnêtement, c'est première fois nous wè gagner yo opposition politique qui pas comme si bataille politique li mené en son bataille politique qui médiatisé. Mais c'est pour une bataille politique qui souterrain comme quoi il organise manifestation, chavirer pouvoir, bouler caoutchouc et moun kase brisé etc. Mis à bord de Moïse Jean-Charles qui lui-même qu'on a fait manifestation etc. Mais nous pas jamais entendre gon structure la mettre tête ensemble
pour yo dou yo pral organiser une grosse manifestation là côté a gen Lavalas qui prend initiative aider et Mopod côté a gagner Akor Montana pour yo dou yo pral manifester pour mande peuple a prend la rue pour chavirer pour voir rien là. Yo pas réagi sous l'insa. Pour qui raison moi personnellement pas connais meilleur fond bataille à l'international comme si chercher opinion publique internationale là pour mettre l'emporte et puis eux-mêmes pour chercher en bas pour régler affaire pour résoudre affaire. La seule chose depuis on a cléoné au ça Ariel Henry pour Ariel Henry démissionner volontairement c'est si et seulement si international là corps groupe États-Unis fait pression sur Ariel pour un dossier quelconque. Mais pourtant Ariel Henry de plein gré de propre chef li parce que la maintenant tête li démission là ca sauver Haïti ca sauver population non politique politicien en Haïti façon nèg yo fait politique en Haïti yo tout douce yo gen formule pour libérer pays yo tout vini yo douce yo sauver a c'est yo libérateur c'est yo pa changer bagay yo c'est yo gen plus bon formule c'est yo ka faire ci c'est yo ka faire cela alors que son politique autre trois que je m'y mets. Sinon, pour qui ça t'a obligé pour une bataille, une transition, l'autre transition, pour jusqu'en 2025? Jusqu'en une nouvelle transition jusqu'en 2025. Pour aller contestation. Mounsa qui sous pouvoir, il y a l'enri capté, 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 il n'y a pas besoin d'accepter que vous perdu comme ça. Pour changer la constitution, pour faire élection, tout bagaille ça, c'est tout pour le passé. On quand même donné 2025 aller jusqu'à 2026 etc. Parce que Ariel Henry joue croquer avec nous voulons nous clair sur ça. Ariel Henry le monté si on premier accord qui est le 11 septembre. L'IPAT loge international mandé pour logement loge pour l'inclusif. On accord 21 décembre 2022. Dans accord 21 décembre 2022 Ariel te qu'il prévoit. Ariel qui t'a anticipé longtemps combien de temps l'a gagné pour le passer dans tes pays. Accord 21 décembre 2022, nous connait qu'il l'a prend fin. Yo prévoit que accord l'a prend fin 7 février 2024 côté a gagné un gouvernement un président élu a gagné Fouko. Politicien pas qu'à marcher. Ouai, maman, y'a qui te volé, ouai. Moun salio.